Parti. Ça tourne, quand tu veux. Prêt, prêt. Bonjour tout le monde. Suite à l'annonce qu'on a faite sur Facebook cette semaine, ma mère et moi, on a décidé que pour le Saint-Valentin cette année, c'est moi qui allais cuisiner. Je vous avertis tout de suite, la chef dans l'équipe, c'est ma mère, c'est pas moi. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de salade de couscous, poitrine de poulet grillé, sauce à l'orange. Et vu que c'est une recette de la Saint-Valentin, j'ai mon copain Olivier avec moi. Bonjour. Alors, on commence. Premièrement, ce que je vais faire, c'était faire bouillir une orange, cara-cara, en entier. J'ai l'orange qui bouille dans l'eau depuis environ 18 minutes. En attendant qu'il reste 2 minutes, je vais vous dire les ingrédients qu'on a besoin pour la recette. Une tasse de couscous cuit. Je l'ai déjà fait cuire. J'ai du couscous à l'ail et au basilic. Puis j'ai rajouté un petit filet. Je voulais rajouter un petit filet d'huile d'olive au basilic, mais j'en avais pas avec moi. Alors j'ai utilisé de Toscane dans ce cas-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'une tasse de couscous cuit. Ensuite, 2 cuillères à soupe de pistache, 2 cuillères à soupe de raisins secs. Moi, j'ai pris des canneberges. Ensuite, 2 cuillères à soupe de menthe fraîche hachée. Une orange cara-cara coupée en quartier. Ensuite, on va avoir besoin d'un demi citron, le jus seulement. Ça va être pour la salade de couscous. Ensuite, pour le poulet, on va avoir besoin de 2 poitrines de poulet désossées. 2 cuillères à soupe de mélange d'épices tout à l'heure. 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. Sauce barbecue secrète. Dans le fond, c'est une autre recette que je ne vous dirai pas aujourd'hui. Mais pour faire cette recette-là, vous avez besoin du vinaigre balsamique teriyaki. Puis dans le fond, pour retrouver soit la recette pour la sauce barbecue ou aussi pour notre recette d'aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur le e-book qu'on a sorti en collaboration avec le Fit Cook, Jérémy. Il va être sur le site internet oliviergourmandise.com dans l'onglet « Nouveautés ». Vous allez retrouver celui-là, puis aussi un autre e-book qu'on a fait « Vinaigrette et marinade ». Je continue. Ça, c'était pour le poulet. Pour la sauce, on va avoir besoin de l'orange cara-cara qui bouille, 1/3 de tasse de vinaigre balsamique, pomme, grenade et coin, et 1/3 de tasse de miel qui est juste là. Juste, OK. Alors, je vais commencer avec la sauce. Mon robot culinaire est très petit, alors pour les besoins de la cause, je vais prendre une demi-orange. Ensuite, 1/3 de vinaigre balsamique, pomme, grenade et coin. Ça. Puis, le 1/3 de tasse de miel. Alors, on envoie ça au robot culinaire. Ça sent absolument incroyable, mesdames et messieurs. C'est vraiment fantastique. Hey, je te dis, je prendrais ça comme shake après le gym. Je te jure. On est rendu à ta partie. Oui, on va faire du poulet. Dans notre couple, la personne qui achète la viande, qui cuisine la viande, c'est mon chum. Alors, pour les poitrines de poulet, c'est lui qui va le faire. Excellent. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que je vais faire avec la préparation du poulet. Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous pouvez suivre en même temps à la maison. Là. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous prendre une petite planche comme ça. On met le poulet comme ça. Fou. Voilà. Pou. Pas plus compliqué que ça. Et on va prendre un filet d'huile d'olive qu'on va mettre par-dessus. On va prendre le filet d'huile de sorte... Vierge extra. Vierge extra. Donc, on prend celle qui est très vierge. Et on en met de même. Fou. De façon... Pas vraiment important, ça n'a pas besoin d'être beau, mais tu sais, vu que je fais une vidéo, on va essayer que ce soit beau. Ensuite de ça, on a des ingrédients, on a des épices vraiment extraordinaires qui s'appellent les épices tout allées. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les épices tout allées? Je dis « on » parce que c'est comme si c'était ma compagnie, tu sais, je suis dans la vidéo. Mais c'est parce qu'on peut mettre ça sur n'importe quoi. Tu veux, tu sais pas trop quoi mettre sur tes toasts le matin, tu prends les épices tout allées, ça met une cuillère ou deux, puis on passe à l'action. Donc, je vais en mettre 2 cuillères sur mon poulet. Fou! Comme ça ici. Voilà. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les revirer de bord et je vais en remettre un autre tantôt. Hein? Comme ça, on va pouvoir bien répartir la mixture. Ensuite de ça, on va prendre de la chapelure hein, de zeste d'orange. Zeste d'orange, exact. Oui.
important. Fait qu'on prend un peu de zeste, flac, on met ça par-dessus. Puis là, on dirait qu'il n'y a comme pas assez d'huile là, pour absorber tous ces bons nutriments-là, ces bonnes saveurs-là. Fait qu'on va en rajouter un peu. Soyez pas gênés, hein. Cette huile-là, là, c'est vraiment de la bonne huile. Fait que mettez-en jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, comme que je fais. Est-ce qu'on en a d'autres, chérie? On va prendre une autre, c'est pas grave. OK, on va en prendre un autre. Fait que là, après ça, on fait un petit massage au poulet, là, parce que c'est important que ça ait détendu quand on va le faire cuire. Pif dans la poêle. On met ça à feu élevé. C'est important de ne pas faire trop chauffer à la poêle longtemps, là, par contre, parce que l'huile d'olive, ça peut brûler. Fait que on le met à peu près à 9. On attend, on va le sentir avec la main, là, que ça va commencer à être chaud. Moi, j'aime ça peut-être autour de, je dirais, 300 Fahrenheit, là. Je vais faire comme si je savais de quoi je parle. Puis, ensuite de ça, on dépose. En attendant que le poulet cuit, il y a beaucoup de monde qui nous demande souvent si on peut faire chauffer de l'huile d'olive. Oui, il n'y a pas de problème. L'huile d'olive, elle peut aller dans la poêle, elle peut être chauffée à feu élevé, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'aussitôt qu'on met de l'huile d'olive dans la poêle, il faut mettre les ingrédients tout de suite. Comme ça, c'est les ingrédients qui vont chauffer et non l'huile d'olive. Voilà, un petit truc. En attendant que Lee s'occupe du poulet, je vais faire la salade de couscous. Alors, j'ai une tasse de couscous que j'avais déjà fait cuire. On ajoute ça. Ensuite, deux cuillères à soupe, pardon, de pistache. Deux cuillères à soupe. Moi, ici, j'ai mis des canneberges. Dans la recette, c'est des raisins. Au choix, d'après moi, ça va être bon. Pareil. Deux cuillères à soupe de menthe fraîche. Puis, les oranges caracara coupées en quartiers. Je vais les couper un petit peu plus petites. Puis, bien mélanger. Il va me rester juste le jus d'un demi-citron. Alors, voilà pour la salade de couscous. Maintenant, on va terminer la cuisson du poulet, puis on va faire le montage de l'assiette après la pause. Il n'y a pas de pause. donc, pour le poulet, normalement, je l'aurais pris, je l'aurais enveloppé dans un petit aluminum wrap. Je l'aurais mis au petit four, c'est pour finir la cuisson intérieure, parce que même des bons morceaux qu'on avait. On n'a plus de papier d'aluminium. Fait que là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je couvre ma poêle, tu sais. Je la mets à minimum. On laisse ça un petit 10 minutes, tu sais. Puis, je suis convaincu que ça va faire une bonne cuisson. I hope. Voilà. Est-ce que le poulet est bien cuit? Oui. Parfait. Moi, je suis content. Donc, ici, on a fini la cuisson du poulet. On est en train de faire la préparation dans l'assiette. C'est important de bien placer les morceaux de poulet de façon à respecter le faux chouet. Le quoi? Le fou chouet. Le feng shui? Le feng shui. Ah, OK. Perdu le nom. Le fou chouet. Donc, beau petit poulet avec une belle petite crust d'orange. Ça a l'air délicieux, tout ça. Alors, voilà. Couscous terminé, poulet terminé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la sauce à l'orange un petit peu sur le couscous et sur le poulet. Puis, la sauce barbecue aussi. Je vous rappelle, la sauce barbecue, la recette, vous pouvez la trouver dans notre e-book en collaboration avec le Fit Cook. Vous pouvez retrouver aussi cette recette-là et aussi une dizaine d'autres recettes. En tout cas, ça sent bon. Alors, ouais, ça sent bon? Ça sent excellent. Est-ce qu'on goûte? Ben, toi là-bas. Confiance en mon poulet. Comment tu trouves ça? Ah. C'est vraiment bon. Le goût de l'orange est là. Il est quand même discret. Il n'est pas trop prononcé. Le poulet est tendre. Je vais goûter au couscous.
Ah ouais, hein? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur quoi? Est-ce que c'est une recette réussie? Mission accomplie. Merci, mon amour. Et pour terminer, je veux vous rappeler que la promotion pour la Saint-Valentin est encore en vigueur jusqu'au 19 février inclusivement. Elle consiste en doublant vos points récompense. Dans le fond, quand tu achètes, assure-toi d'être connecté à ton compte, puis tu vas récolter des points récompense. Habituellement, c'est 1 point pour 1 $ dépensé, puis jusqu'au 19, ça va être 2 points pour 1 $ dépensé. Alors, merci!